dans un pays normal, lorsque je quitterai mes fonctions de ministre un jour, je ne dois pas attendre qu'on me dise que je dois céder la place à mon successeur. C'est quelque chose de naturel, c'est simplement maladroit d'attendre que l'on vous rappelle de céder, parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui arrive. Les anciens ministres doivent simplement céder. Les bâtiments de la République sont faits pour être pour recevoir ceux qui assument les fonctions de responsabilité. Donc c'est spécifique. Quand vous quittez le poste de Premier ministre, les bureaux, les locaux, tout ça revient au Premier ministre nouveau qui va s'installer. Je pense que c'est une norme. Il n'y a pas à aller chercher des explications plus compliquées que cela.